Bonjour, bienvenue sur le podcast de la tricoteuse paresseuse. Je m'appelle Marie-André. Aujourd'hui, je viens faire la petite capsule pour vous annoncer le cal du mois de juin. Je sais, je suis vraiment en retard, mais la vie avec Miss Lily n'a pas été super facile le mois dernier. Bébé très diabolique, qui m'enlève beaucoup de mon temps libre. Mais je suis là, au moins on est avant le mois de juin. C'est ça. Dans les derniers cales, on a eu le Anchors Summer Shirt qui a eu lieu. On a eu aussi après le Tegna que j'ai pas encore terminé. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas des cales que je mets la pression. Y a pas. Oui, je mets une période d'un mois, puis le mois d'après, il y a un nouveau cal, mais il n'y a pas de deadline. Donc, tu sais, si c'est pas terminé à la fin du mois, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Quand vous l'avez terminé, vous pouvez ajouter votre photo dans l'album pour le cal en question. Donc, pas de stress. Comme là, je vous annonce qu'au mois de juin, on va faire la Timo de Camille Descoteaux. Je vous montre la photo ici. Encore là, c'est ça. Si le projet vous intéresse, que vous planifiez de la faire, vous pouvez vous joindre à nous. Puis même si c'est pas terminé pendant le mois de juin, c'est pas la fin du monde. Moi, c'est sûr, je me mets la pression parce que c'est moi qui les organise. Donc, j'essaie de terminer. Mais malgré tout, là, tu sais, j'ai quand même. Au mois de mai, je vais vous les présenter dans l'épisode régulier, mais j'ai quand même. Terminer un test knit de chandail plus un nouveau design de chandail de moi. Mise avec ça, avec Lily qui n'est pas collaboratrice du tout, j'ai un petit peu manqué de temps. Fait que là, j'essaie de clencher le Tegna en fin de semaine. Je sais pas si je vais le terminer à temps pour le mois de juin, mais c'est pas grave. Hein? On se met pas de pression. Je vais le terminer si c'est pas à fin mai, début juin. Mais bon, donc, le 1er juin, on castonne la Timo de Camille Descoteaux. Moi, j'ai 3 choix de laine, puis je ne sais pas quoi choisir, puis je vais avoir besoin de votre aide. Donc, je vais vous les présenter. Mon premier choix, c'est bien sûr encore, j'essaie de passer mes cônes de Old's Garn. Donc, j'ai la Coast, la couleur Solar, très jaune. J'ai aussi dans la Coast, j'ai celle-là ici qui est la couleur Spearmint, qui est comme un petit bleu pâle. Et sinon, j'ai dans la base Tides, j'ai la couleur Aqua. Donc, dans le fond, c'est comme un. Tu sais, c'est bleu. Puis on a comme le petit bleu pâle. Ou le jaune. Donc, en commentaire, dites-moi quelle couleur que je devrais utiliser pour faire la Timo. Parce que honnêtement, je ne sais pas quoi choisir encore. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment juste la petite capsule calme. Mais sinon, on va se revoir en début du mois de juin pour mon épisode régulier. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de mois de mai en espérant qu'il continue de faire aussi beau qu'on a eu les derniers jours. Et on se voit bientôt. Salut!